Salut à tous, c'est TechTech Gaming. Alors on se retrouve donc aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous montrer comment obtenir donc la tenue du mode rivalité cuirassé, donc tout nouveau mode qui est arrivé avec la surprise de Noël. Voilà, donc ça marche avec le cuirassé 1, enfin du moins ça doit marcher avec tous les cuirassés, mais moi je l'ai testé qu'avec le 2 et le 3. Donc voilà, là on y arrive donc dans la liste. Voilà. Donc le 2 ou le 3. Voilà, donc là on va prendre le 2. Allez hop, c'est parti. Donc le petit temps de chargement. Alors je vous conseille vraiment de le faire avec 3 amis, puisqu'il faut être 4 pour le faire. Donc avec 3 amis, parce que sinon ça va être beaucoup plus compliqué en ligne. Alors voilà, donc là quand vous arrivez ici, donc vous, il faut être directement un cuirassé. Comme ça vous pourrez porter ce costume. Voilà, donc je suis avec Darstoned et Sofiane, hein, donc deux personnes avec qui je joue de temps en temps. Voilà, qui sont aussi des abonnés. Et c'est parti. Voilà, la partie se lance. Alors, ce que vous faites donc à ce moment-là, donc pour obtenir donc ce costume cuirassé, vous restez appuyé donc sur la touche back. Alors d'abord, vous allez vous planquer, hein, vous allez vous poser tranquillement sur le côté. Voilà. Donc vous restez appuyé sur la touche back. Voilà, vous allez dans style, voilà style, et ensuite, donc vous faites plusieurs fois droite et A, voilà, donc vous comptez 15 secondes, donc droite et A plein de fois, un maximum de fois, et vous comptez donc 15 secondes. Donc une fois que les 15 secondes sont passées, vous allez dans votre menu, voilà, comme ceci, et vous attendez 2 minutes, voilà, donc moi je l'ai fait en accéléré, donc vous arriverez donc... à cette page, vous allez être exclu. Donc là, vous appuyez donc sur A et vous serez donc dans l'accès à GTA Online. Donc il y a un petit temps de chargement qui est entre 20 secondes et 2 minutes. Voilà. Et normalement, donc si tout va bien, vous allez pouvoir réapparaître, du moins respawn donc avec votre costume. Voilà. Alors, une fois donc que vous êtes dans la map, il faut aller modifier, du moins sauvegarder votre costume. Puisque sinon, vous allez le perdre dès que vous allez changer vos vêtements. Donc, vous allez directement dans un magasin de vêtements. Voilà, donc vous allez voir la vendeuse. Vous appuyez sur droite et vous appuyez une fois sur X ou le bouton carré, donc si vous êtes sur PS4. Voilà, donc là, moi, je vais le nommer juste Juge. Hop, je fais Start. Et ensuite, donc, le costume est enregistré. Voilà, donc là, je vais vous montrer, hein, je vais faire un switch. Un switch, donc, de style. Hop, de tenue. Donc, Throne. Hop, je reviens, donc, sur ma tenue cuirassée. Voilà, donc, ça fonctionne bien. Alors, je vais vous montrer, donc, les petits bugs que vous pouvez avoir avec. Donc, par exemple, si vous allez prendre un maillot. Hop, alors un t-shirt du moins, bah vous allez voir qu'il va manquer une petite partie du corps. Alors je pense qu'il y a moyen d'exploiter ce bug plus amplement, mais je n'ai pas encore trouvé comment. Pareil avec le pantalon, donc si vous voulez faire disparaître vos pieds, hop, du moins pas avec ce pantalon là, mais avec un pantalon normal, vous pouvez voir que les pieds disparaissent, voilà. Et donc avec une femme en personnage, ça fait exactement pareil. Du moins même c'est plus prononcé, le corps disparaît un peu plus. Donc voilà, alors j'espère donc que ce petit glitch vous a plu et que on va tous se balader en tête de rhinocéros et en mode cuirassé, ça pourrait être vraiment sympa. Bon allez, salut tout le monde, à bientôt sur TechniTech Gaming.